Bonjour, alerte, un objet métallique non identifié a atterri dans la cour du collège Villerose à Châteaubriant. Pas de panique, cet OVNI, c'est simplement un dispositif destiné à interpeller les jeunes sur les métiers de l'industrie, une initiative de l'Union des industries de Loire-Atlantique. Dans ce caisson sans lumière, les élèves peuvent y visionner un film valorisant avec humour les filières industrielles. Aujourd'hui, c'est l'opération à l'occasion de la semaine de l'industrie, c'est l'opération OVNI, objet métallique non identifié. Le pari, c'est de jouer sur la curiosité et la spontanéité des jeunes pour les inciter à aller voir ce qui se passe dans les industries, voilà, pour les attirer vers l'industrie. L'Union des industries du 44, nous a, avec le chargé de communication du rectorat, a dit, voilà, en gros, ça se passe toujours sur Nantes ou sur Saint-Nazaire. Est-ce que vous seriez partant? Bon, Châteaubriant, il y a un petit pôle industriel quand même. Bon. Et donc, j'ai dit oui, bien sûr. Et donc, ils sont venus, on a fait quelques réunions préparatoires. Et voilà, donc le projet est né comme ça. C'est en fait aller chercher le public jeune. Le pari, c'est jouer sur la spontanéité, leur curiosité. Là, voilà, il y a un omni qui est tombé sur la cour pendant la nuit. Et les jeunes veulent. Voilà, faut qu'ils aillent voir ce qui se passe là, puis dedans il y a un petit film qui parle de l'industrie. Bon, déjà, c'est quoi les industries technologiques? Ben, en fait, c'est toutes les entreprises qui font avancer le monde. C'est très net. Mais ça se démoule un petit Suisse, non? Écoutez, Sylvain, j'ai l'impression que c'est encore un échec. C'est l'Union des industries, des métiers de la métallurgie. C'est une chambre syndicale patronale qui regroupe les adhérents de ce secteur d'activité. On est dans une opération de communication, de rapprochement des métiers de l'industrie vers les jeunes pour leur montrer que l'industrie, ce n'est pas forcément les clichés que l'on peut entendre ou lire à droite ou à gauche. Ce ne sont pas des métiers sales, ce ne sont pas des métiers du passé. Ce sont vraiment des métiers modernes et du futur. Et que dans ces entreprises-là, il y a très certainement la place pour beaucoup d'entre eux. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de parler aux jeunes avec les codes des jeunes. Ils parlent de la métallurgie, de tout ce qui est technologique. Ingénieur et tout ce qui est dans les usines. C'est intéressant ? Oui. Bah, écoutez, c'est un très beau projet et c'est la première fois que cet OVNI se pose dans un collège pour présenter aux jeunes les industries technologiques. Et l'objectif, c'est bien d'ouvrir la palette des choix des jeunes, de leur ouvrir les yeux sur des métiers qu'ils ne connaissent pas ou sur lesquels ils ont une image qui ne correspond plus du tout à la réalité actuelle. L'OVNI a depuis quitté Châteaubriant et doit atterrir dans d'autres collèges du département, à La Baule, à Nantes ou encore à Cordemais. Sachez que sur les Pays de la Loire, un emploi sur cinq est un emploi industriel.